Hey les gens, j'espère que ça va bien. On va repartir sur une partie de Soccer Star. Et ouais les amis, cette fois je vais tenter d'aller sur le nouveau terrain, le terrain à 4000. Là c'est pas un terrain 4000, c'est un terrain 500 qui me servait un petit peu à préparer mon match, parce que je commence toujours par une session d'un match au niveau inférieur, histoire après d'aller au niveau supérieur. Voilà, je vous mets une petite indication en disant que si j'avais éventuellement rasé un peu plus le pion du bas, la balle aurait pu rebondir sur son pion, mais c'était un peu chaud par rapport à l'espace qu'on avait. Là, je profite de l'entonnoir que font ses pions pour pouvoir rentrer la balle. Bon, là, c'était juste un tir de précision. Et ici, pareil, un tir de précision avec rebond. Donc là, on commence le premier match à 4000 contre Ibrahim, niveau 59, qui est très bon à 57%, qui a gagné 24 millions, mais qui vraiment dans le jeu m'a donné beaucoup de fil à retordre. Ça se verra pas parce que je vais pas me laisser l'entièreté de la 51, mais donc je vais mettre plus ou moins quasiment toutes mes attaques et toutes ses attaques. Donc là c'était ma première attaque à moi. Donc là on peut voir que par rapport au couloir du ballon, bon, il n'y avait pas grand chose à faire parce que je pouvais éventuellement toucher son pion du haut, donc c'était pas bon. J'étais protégé, donc je me suis permis de renvoyer. Là, je me suis dit, s'il fait ça, il se marque un but, donc j'étais content. Et mais il ne mérite pas du tout son statut de bon joueur. Et donc, il change de pion, effectivement, il mérite son statut de bon joueur. Là, moi, je n'ai pas énormément de possibilités, mais il y en a une qui m'intéresse vraiment. Et là, quand je la vois, je me dis, voilà, exactement, je voulais remonter. Alors, peut-être pas de ce côté-là. Et voilà, on passe entre les deux pions, un des plus beaux buts de ma carrière. Et ouais, je peux le dire, vraiment un des plus beaux buts de ma carrière. Il est magnifique. Ensuite, on enchaîne sur juste le défaut de cette formation. Et le fait que les pions soient serrés empêche des fois le renvoi de certaines balles. Quoique, j'ai vu des mecs des fois renvoyer des trucs de malade, un peu comme je vous le montre. Là, je me dis, si j'avais tiré plus fort, est-ce qu'il serait entré à l'intérieur? Vous voyez, est-ce qu'il aurait suivi le trait que j'ai tracé? Donc voilà, cette formation, elle a quand même son défaut, et ça en fait partie. Alors c'était intéressant parce que j'avais un de ces pions dans mes cages, et je voulais la renvoyer en me disant, si je la presse là contre l'autre pion, elle va partir forcément dans ce sens-là, mais elle va se retrouver quelque part là-bas, et ça risque d'être dangereux. Donc elle s'est retrouvée effectivement quelque part là-bas, mais pas forcément simple à renvoyer. Donc lui a fait un peu n'importe quoi, ce qui me permet à moi de marquer mon deuxième but. Donc là, Ibrahim, j'ai senti un peu énervé dans le jeu et là, content de marquer ce but-là parce que malgré tout, il devait sans doute penser que j'avais de la chance. Là, cette tentative était sympa, mais malheureusement mal ciblée. Là, pareil, ultra mal ciblée. Là, pareil, mal ciblée. Donc, il y en aura un. Hein. Là, placé surtout, mais bon, il n'y avait pas de possibilité. Éventuellement, si j'avais tiré plus fort grâce à son pion, elle serait rentrée. Donc là, toujours... Des tentatives. Et il y en a eu plein. Là, je vous ai mis les meilleurs, hein, mais il y en a eu plein. Et là, l'erreur de sa part, même pas, il me laisse marquer, tu vois. Ça, c'est pas cool, Ibrahim. En tout cas, t'es un très bon joueur. Franchement, excellente partie, j'ai kiffé. Donc là, c'est un nouveau joueur, un guest, à 54%, level 35. Premier but, rien de... Voilà. Là, une tentative dommage échouée de sa part. C'est forcément le but. Ouais, donc je me prends le but. Là, il a voulu tenter parce qu'il m'a vu beaucoup en fait presser la balle avec les autres. Il a voulu faire pareil. Moi, j'ai fait une fatalité. Là, ensuite, l'engagement, j'ai pas compris. Il a juste fait reculer son pion. Je pense qu'il était vénère. Je pense. Ou je sais pas. Ou il en avait marre. Ou désespéré. Donc Georges, c'est le prochain, niveau 42, donc là on attaque dès le début, là je rate ce tir, franchement, bon j'avais un peu honte, mais voilà. Donc là je me dis, j'ai envie qu'elle revienne et qu'elle rebondisse, comme on le voit avec les petits marqueurs. C'est ce que je vais faire, mais là c'est encore plus space, poum, un premier rebond sur un pion, poum, un deuxième pion, et elle rentre. Waouh! Voilà, c'était vraiment du n'importe quoi. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'il m'ait replacé mon pion là, juste ici. Parce que sinon, j'étais mort. Donc j'ai eu quand même beaucoup de chance hein, sur ces parties à 4000. Il y a un petit peu de maîtrise, hein, mais il y a eu de la chance. Là, entre autres, pareil, un but assez facile. Là, je fais n'importe quoi. Donc je lui donne gentiment un but. Là... Bah, superbe but en fait, où j'utilise son pion et le mur
pour pouvoir ramener la balle vers le bas. Voilà, dans ce cas-là, c'est une réussite. On verra plus tard qu'il y en a où ça a été un échec. Donc là, on joue contre MY Umay. Donc là, pareil, un mec à 57%, plutôt bon, un match intéressant. Il commence dès le début par détruire ma défense. Là, il fait une tentative qui, dommage, aurait dû rentrer, mais non. Mais, et moi, me donne une super opportunité. Mais comme lui, je rate. Je crois qu'on n'était pas dans notre moment de chance. Et là, je fais comme tout à l'heure. Sauf que là, malheureusement, comme elle touche le mur, elle revient et elle redévie la balle. Sinon, elle y allait. Alors, si vous regardez bien, elle y allait. Mais son pion, c'est lui qui a... Là, je me dis, pourrait tirer vers le bas. Mais quand tu regardes bien, en fait, les pions sont vachement collés. Donc, il risque, parce qu'il est obligé de la prendre quand même sur le côté, bah, de faire n'importe quoi, en fait. Là, c'était une balle facile. Vraiment une balle facile. Et je la rate comme une merde. Et lui, il se fout de ma gueule. Il dit, tu es doué, bien joué, machin truc, super tir. Et voilà ce qu'il fait après. Ouais, bah voilà. Ça s'est retourné contre toi, faut pas te moquer des gens. Donc ensuite, lui marque, pareil, d'une manière facile, suite à une erreur de ma part, il me redit que je suis doué, etc. Il me dit merci. Et il continuera d'ailleurs tout le long du match de se foutre de ma gueule. Donc, là, petit engagement, bon, je vais pas montrer la suite, là, balle facile, donc voilà, de 1. Donc là, il a pas pu se foutre de ma gueule puisque c'était facile. Là, c'est marrant, essayez de voir qu'est-ce que je pouvais faire. Et ce qui s'est passé dans ma tête, franchement, ça s'est fait, et une fois sur 100, ça marche. Ça passait ça. Donc en fait, j'ai rebondi sur le pion qui a rebondi, qui est revenu, qui a réjecté mon pion. Ça n'aurait pas pu marcher si le pion n'était pas au bord, et s'il n'avait pas rebondi contre le bord du bas, et ensuite, s'il n'était pas reparti, et s'il n'avait pas repercuté à nouveau mon pion. Voilà les gens, merci de m'avoir suivi, à bientôt et je vais reprendre les matchs abonnés, etc. Comme je dis toujours, en fait, je dois faire un match sur 10 contre les abonnés et puis le reste, c'est contre le reste du monde. J'ai pas toujours le temps, donc j'essaye. En général, je joue pas, je me donne pas des sessions de jeu. J'ai pas le temps de me donner des sessions de jeu. Je joue quand j'ai le temps entre deux trucs importants. Voilà, bah écoutez, kiffez la vie parce que elle vous kiffe.